nous tirons les leçons de tous les échecs. Et on réfléchit comment éviter les erreurs du passé. Des erreurs, il y en a eu. Parce qu'on a cru parfois naïvement que les hommes étaient de bonne foi. Il ne faut plus qu'on commette des erreurs. L'erreur, on dit qu'elle est humaine. Mais dans la conquête du pouvoir en Guinée, il faut qu'on change de méthode. Le soutien qu'on leur a apporté, c'est sur la base du discours et de cette main. Dès lors qu'ils renoncent à ces engagements, ils ne doivent plus bénéficier de notre soutien. Est-ce que vous êtes prêts au combat? Oui. Notre pays, notre peuple a trop souffert. Nous, UFDG, on s'est battu au Maïs. Consenti beaucoup de sacrifices. Combien de morts? Des gens ont été spoliés. Les maisons ont été détruites. On a tué les enfants sans aucun droit à la moindre justice. Nous sommes battus pour le pays, pour garantir l'égalité des droits et des chances entre tous les fils du pays, pour garantir la sécurité pour tout le monde, pour créer les conditions d'épanouissement de tous les jeunes. C'est ce que nous voulons pour l'avenir. Aujourd'hui, tous les jours, la démocratie n'est plus. L'état de droit est piétiné. Les droits humains sont violés. Qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas sacrifier tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime, qui sont morts. Il faut qu'on continue le combat. Je vous venais vous dire que je suis plus déterminé aujourd'hui qu'ailleurs, et je vous demande ça. Ce n'est pas beaucoup d'entre vous ont contribué à ce combat. Beaucoup d'entre vous ont perdu des proches. Ce n'est pas parce que vous vouliez être gouverneur, préfet ou sous-préfet. C'est parce que vous aimez votre pays. Vous voulez que règne en Guinée la justice. Qu'il y ait la prospérité. Qu'il y ait la fraternité entre tous les enfants du pays. Qu'il y ait l'égalité des droits et des chances. Beaucoup d'entre vous ont contribué en 2020 à nous aider à prendre en charge les prisonniers qui ont été bien entretenus, contrairement à ce que certains disent. Il leur a rien manqué. C'est leur motivation de rendre hommage à mon épouse. On préparait, il y avait une usine de préparation pendant le mois de carême, tous les prisonniers. C'est grâce aux efforts qu'on a envoyé à manger, on a envoyé tout. Ouais. Il y a des prisonniers qui sont sortis, qui étaient hostiles à nous, comme ça sur la base des préjugés ethnicistes. Nous sommes venus le Messie. Prisonniers politiques et civils, préparés pour l'envoyer. Il ne manquait de rien. Votre soutien, notre soutien à tous, parce qu'ils étaient arbitrairement arrêtés et détenus, parce qu'ils étaient UFDG la plupart, ou parce qu'ils défendaient la vérité, y compris la vérité des urnes. Nous sommes battus. Il ne faut pas qu'on accepte qu'on continue de piétiner nos droits et libertés. Aujourd'hui, personne ne sait que ce sont devenus uniquement bien et bien de l'autre. La gendarmerie et les forces spéciales viennent les arrêter. On les envoie à 95 et aux îles par la suite. C'est long,
le témoignage de Cissé, parce qu'ils ont été arrêtés avec un jeune, qui a témoigné. Aujourd'hui, l'État a tous ses comportements, dit qu'ils ne savent pas où ils sont. Nous sommes un peu vides. Or, Fonike Mangue et Bilou étaient dans un mouvement de préparation de manifestation, c'est vrai. Qui avait intérêt à les arrêter? Parce qu'ils préparaient une manifestation. Mais on a vu les pick-up de la gendarmerie, des forces spéciales. Aujourd'hui, ils sont portés disparus. Et l'État, dans tous ses comportements, y compris la justice, dit qu'on ne sait pas où ils sont et qui les a enlevés. Et on vient s'arrêter devant le peuple de Guinée pour défendre des choses comme ça. On a fermé les radios. On a retiré les licences. Ils viennent défendre. On a tiré 55 jeunes. On vient défendre. Mais il faut qu'on se mobilise. On ne va pas renoncer sur la Guinée. Ce pays verdoyant, riche. Riche. La Providence a tout donné à notre pays. Ceux qui sont venus en passant par le Nicaragua, je ne devais pas être là. On aurait créé des conditions d'épanouissement de cette jeunesse. S'il y avait un leadership, Yumetero et Faramodo. Comment c'est fait pour les meilleurs attaques? Les femmes, pas du monde, les Yuki. Et nous avons dit que nous avons comme un roi, nous avons nous avons la moitié des réserves minières de bauxite. Le meilleur fer au monde est encore inexploité. En quantité suffisante. La bauxite extraite de la Guinée a été multipliée par 7, c'est plus de 100 millions de tonnes, contre seulement 15 millions de tonnes en 2015. 100 millions, 107 millions. Les jeunes ne font que fuir parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Il y a bien sûr la misère économique, mais il y a les difficultés, la restriction des libertés, le harcèlement, l'emprisonnement arbitraire. Maintenant, la disparition, on ne sait pas où ils sont. Il faut que vous soyez mobilisés. Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous. Ce combat, il faut que l'on aille. Nous tirons les leçons de tous les échecs. Et on réfléchit comment éviter les erreurs du passé. Des erreurs, il y en a eu. Parce qu'on a cru parfois naïvement que les hommes étaient de bonne foi. Il ne faut plus qu'on commette des erreurs. L'erreur, on dit qu'elle est humaine. Mais dans la conquête du pouvoir en Guinée, il faut qu'on change de méthode. Parce qu'il y a un système qui bloque tout. Il ne faut pas croire les gens sur parole. La parole donnée n'a pas de sens, le contrat n'a aucun sens, le serment n'a aucun sens. Il dit des choses pour tromper le peuple. Ainsi qu'Aïkawata, on dit qu'il est Wata, Yakawana. On ne peut pas être indifférent. Il y en a qui ont décidé de soutenir la jeunesse pour qu'elle se maintienne toujours au pouvoir. Vous le savez. Il faut qu'on refuse. Le peuple de Guinée doit choisir ses dirigeants. Nous sommes des démocrates, nous sommes sportifs en démocratie, mais c'est le peuple de choisir. Personne déjà ne peut pas venir s'imposer à nous
s'imposer au peuple éternellement. Donc, je ne vais pas vous infliger un autre discours. Je venais juste pour vous dire de vous mobiliser et de vous engager aujourd'hui plus qu'hier. Et sachez que c'est malgré toutes les calomnies, malgré toutes les frustrations, malgré tous, de toutes les injustices et les exactions, et harcèlement judiciaire, je suis plus déterminé aujourd'hui qu'hier. Yeah. Parce que je sais que vous me faites confiance. Que bon attaque. Félicité, c'est toi, non. Bon état, si tu veux dire que tu es là, Allah, que tu es là, 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 l'égalité des droits et des chances et créer les conditions d'épanouissement de tous les Guinéens sans aucune discrimination.